Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Deuxième partie du problème. Si vous n'avez pas lu l'énoncé du problème et donc en quoi il retourne, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo 1.0 de cette série. Alors, comment construire un labyrinthe de taille n? Donc, on va s'intéresser à ce labyrinthe. Donc de taille 3 fois 3, et donc on va le convertir en matrice binaire comme la précédente vidéo. Donc ici nous avons du haut vers le bas, donc ici nous avons 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Alors, on va s'aider de la matrice associée à ce labyrinthe pour construire le labyrinthe sur escasse. Alors, comment on va faire? Bon, déjà, on va construire un carré. Donc, ici, on a 0, 0. Donc, tout se fait par coordonnées. 0, 0. Et ici, 3, 3. Cette case-là, elle va correspondre à ce coefficient ici. Or, sur escasse, ce coefficient ici, si on appelle M cette matrice, ce coefficient ici se note M0, 0. Or, ici, on va devoir faire, donc dimension, donc c'est 3, moins 1, moins 0, donc la dimension du labyrinthe, moins 1, car on commence ici, moins 0. Donc ici, ça va être la coordonnée en Y, coordonnée en Y, donc coordonnée en X, et bien ça va rester 0, coordonnée en X. Donc le débit va être en 0, 3, moins 1, moins 0. Donc là, pour le coefficient 0, 0 de la matrice, on va commencer soit ici, soit ici, donc ça selon si c'est 0, soit c'est 1. Dans tous les cas, on va commencer en 0, 0. 3 moins 1 moins 0. Alors ensuite si dans la matrice donc M donc KJ si KM donc le coefficient KJ est égal à 0, alors on va tracer le segment donc le segment on part vers le bas donc ici K moins 1 donc K n, donc ça va être la dimension de la matrice, moins 1, moins j. Et on va faire k plus 1, n moins j. En fait, on fait dans ce sens-là, donc on va en plus 1 en x et plus 1 en y. Et si mkj est égal à 1, alors ici, on va de k n moins j et on va vers k plus 1 n moins 1 moins j. Donc ici on va du haut vers le bas, donc on perd moins 1 en y et on va plus 1 en x. Alors avant cela, donc ça c'est pour les coefficients matriciels. Alors aussi, donc là on va tracer donc le carré de côté de bord 0, 0, dimension de la matrice, dimension de la matrice. Et ensuite, on va tracer coefficient par coefficient. Donc, on va tester tous les coefficients de la matrice. Et on va tracer les bouts de segments qui correspondent, donc, soit 1, soit 0. Donc, sur escasse, ça correspond à ceci. Voilà, donc on a donc, création labi. Donc, D, c'est la figure. D, ça va être la figure. N, c'est la dimension de la matrice. Voilà. Donc D, on va faire un carré qui va de 0, 0 à N, 0, qui va nous tracer un carré. Un carré 0, 0, N, 0, N, N, 0, N. Et ensuite, on teste dans la matrice, donc les coefficients de la matrice. Si c'est égal à 0, alors on fait K,
n-j moins 1 k plus 1 n-j. Donc on fait un segment qui va du point k de coordonnées k n-j moins 1 jusqu'à k plus 1 n-j. Et sinon, donc si mjk est égal à 1, il y a k n-j, k plus 1 n-j moins 1. Donc ici, on va créer une matrice M, donc 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc M, c'est ça, création l'habit M. Trouve bien. On peut mettre comme ça pour avoir l'orthogonalisation. Et voilà. Donc la matrice, donc le labyrinthe. Alors, ce qui va nous manquer ici, c'est les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, pour obtenir les bords 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bah, il faut tester. Donc ici, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on fait sur 3 fois 3, après on pourra généraliser. Donc ici, ça décomposé en 4. Donc ici, on a 4 fois n. 4 fois n. 4 fois n. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est diviser le nombre par 3. Donc diviser le nombre par 3. Et ensuite, regarder donc le quotient. Donc ici, on aura 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 et 3. Donc ici, en fait, on fait 12 moins 1 divisé par 3. On va obtenir donc 3. Et il va nous rester 2. On a 11. Donc 1, là on fait ici, donc n moins 1 divisé par 3. Si ça c'est n. Donc ici on va transformer ça en coordonnées. Alors bien entendu, ici, on va par exemple pour avoir le chemin part de 1. Donc ici on va descendre de à chaque fois de 1. Regardez. Là on va descendre de 1, on va arriver ici. Ensuite on va aller à droite, on va arriver ici. Et là, on va voir 1. Donc ici, les coordonnées c'est 0,5, 2,5. Donc ici, ce point-là, il va devoir avoir comme coordonnées 2,5, 3,5. Donc ici, on va transformer en coordonnées 0,5, 3,5. Ici, 1,5, 3,5. 2,5, 3,5. Ensuite, là, c'est x, 3,5. Donc 3,5. 2,5, 3,5, 1,5, etc., etc. Ici, on aura moins 0,5, 2,5, etc., etc. Donc ici, on aura, donc là, c'est n plus 0,5, dimension du labyrinthe plus 0,5, et ensuite, on fait donc le reste de la division. Ici, on a 0, 1, 2. Donc ici, reste de la division plus 0,5, reste de la division plus 0,5, etc., etc. Ici, donc on a moins 0,5, reste dans la division, donc n moins reste dans la division, moins 0,5, plus 0,5. Donc ici, donc on peut traduire le nombre en coordonnées se place dans le labyrinthe. Donc voilà notre algorithme. Donc là, si a est supérieur à 4 fois b ou a inférieur ou égal à 0, donc b c'est la taille du labyrinthe, on retourne qu'il n'est pas dans le carré. Donc si le quotient de a moins 1 par b c'est 0, eh bien on retourne le reste de a moins 1 par division quotidienne par b plus 0,5. B plus 0,5. Ensuite, si le reste est 1, et on fait B plus 0,5, B moins reste par division euquotidienne de A moins 1 par B, moins 0,5. Quotient
A moins 1 par B, c'est 2. Et on fait B moins le reste A moins 1 par la division euclidienne par B, moins 0,5, moins 0,5. Et ensuite, si le quotient est de 3, moins 0,5, donc retourner moins 0,5. A moins 1, donc reste par la division euclidienne par A moins B, plus 0,5. Donc, NB bord, par exemple 12, 3, hop, a les coordonnées du bord numéro 12. On peut faire l'inverse. Donc, on peut faire la fonction inverse, donc c'est-à-dire à un point de coordonnées, un point de coordonnées de ce type-là, on fait correspondre un numéro de bord. Donc, c'est l'opération inverse. Donc, c'est traduit par cet algorithme-là. Donc, on teste si B égal à C plus 0,5. Donc, C, ça va être AB, c'est les coordonnées du point à tester, et C, c'est la taille du labyrinthe. Donc, si on a hors bord, si bah, ce n'est pas égal, si A n'est pas égal à moins 0,5, si A n'est pas égal à la dimension du labyrinthe plus 0,5, B différent de moins 0,5 et B différent de C plus 0,5, la dimension du labyrinthe plus 0,5. Donc, sinon, eh bien on teste si B est égal à C plus 0,5, alors on renvoie la partie entière de A plus 0,5. Etc. etc. Donc là, on voit la partie entière de deux fois la dimension du labyrinthe moins b plus 0,5, trois fois la dimension du labyrinthe moins a plus 0,5, etc. etc. Donc ici, par exemple, bord NB, on va mettre moins 0,5, moins 0,5, ici, 2,5. Et ça nous revient bien 12. Donc toute cette fonction va pouvoir va nous servir quand on va devoir tracer un chemin. Alors dernier programme pour construire un labyrinthe. Donc on va faire un labyrinthe. Donc ici ce labyrinthe là mais avec les nombres au bord. Création labi bord. Création labi bord. Donc c'est la même chose. On va utiliser ici cette fonction-là. OK. Et donc création labi bord M. Voilà. Et donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur les bords. Donc on va pouvoir ensuite créer les chemins sont sur ce labyrinthe. Alors ici, on va partir, donc on va aller étape par étape. Donc ici, on va aller étape par étape. Et donc, on va partir par exemple de 12, c'est le plus long chemin, ce labyrinthe. Et donc pour 12, on va partir vers la droite. On va partir vers la droite. En fait, on commence ici. Et donc, on va partir vers la droite. On va aller sur le milieu de cette diagonale-là. Ensuite, on va descendre. Ensuite, on va aller à droite. On va monter. On va à droite. On descend. On va à gauche. On descend. On va à gauche. On descend. Et là, on va trouver 9. Donc en fait, le chemin 12 a pour départ 12 et arrivée 9. Ou encore, si on part par le 9, on arrive vers le 12. Les deux chemins sont réversibles. Donc ici, on va devoir déterminer des directions. Donc si on commence par 1, 2, 3, là c'est dimension 3, hein. Bien entendu, on pourrait généraliser pour des dimensions plus grandes. Donc direction de départ, eh bien c'est le bas. 4, 5, 6, c'est à gauche. 7, 8, 9, c'est en haut. 10, 11, 12, c'est à droite. Alors maintenant, donc là on peut faire un tableau. Donc ici, on peut avoir les cases. Donc 0, ça va être cette case-là. 1.
Casa. Donc là, on va voir les directions. Direction bas, gauche, haut et droite. Donc on va tester ici. Hop. Et hop. Donc, quand on va en bas, en 0, on va, donc on nous renvoie vers la gauche. Quand on va en bas, en 1, on va vers la droite. Ensuite, quand on va à gauche, en 0, donc quand on va à gauche, en 0, on va en bas. Quand on va à gauche, on va en haut. Donc à chaque fois, c'est direction opposée. Haut, on va à droite. Gauche et gauche et droite, donc droite, en haut et en bas. Donc voilà pour les directions. Alors ensuite, quand on va donc quand on va en bas, on fait donc moins 1 en y. Quand on va à gauche, on fait moins 1 en x. Quand on va à droite, on fait plus 1 en y. Quand on va à droite, on fait plus 1 en x. Donc là, pour faire une boucle, on va commencer donc un point de coordonnées. Donc, on va commencer par exemple en 1, on transforme le 1 en coordonnées. Ensuite, on va en direction bas. Donc, on fait donc une boucle tant que les coordonnées du point est hors bord. On transforme par les fonctions précédentes les coordonnées en nombre. Si les coordonnées ne correspondent pas au bord, eh bien c'est hors bord. Sinon, on arrête le chemin. Donc, c'est un algorithme assez compliqué qui m'a pris quelques heures pour le programmer. Donc, voici l'algorithme. Vous voyez un peu la longueur de l'algorithme. Voilà, ça. Donc il faut tester en fait toutes les directions, tester si c'est hors bord ou pas. Bien entendu, si vous souhaitez les algorithmes, si vous voulez tester les algorithmes sur ISCAS, vous pouvez me demander les algorithmes. Je vous les enverrai par email, donc les mails, et sur mon site cbmat.fr. Donc on va tester. Donc là c'est bon. Donc ici on fait un chemin M. On va passer par 9, M9. Vous voyez, on a donc ce chemin-là que je vous ai déjà montré ici. Bien, donc là c'est un chemin. Et là donc on a fait un chemin. Maintenant on va faire les différents chemins. On va calculer les longueurs. D'abord, donc calculer la longueur de ce chemin-là. C'est le calcul, donc le nombre de. Donc on fait un compteur et on calcule le nombre d'itérations de la boucle de chemin. Programme. Ici, on peut simplifier, donc on ne veut plus le labyrinthe, mais plutôt l'arrivée et le départ sous forme de liste. Donc un chemin, M9. Et là, il va nous lancer 9, 12. 9, 12. Alors ensuite, donc ici. Algorithme de suppression de deux éléments dans une liste. Donc en fait, LAB, on va supprimer les éléments A et B de la liste. Donc on cherche l'élément A et l'élément B et on supprime l'élément dans la liste. Donc c'est-à-dire ici, supprimer dans liste L. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, et on veut supprimer par exemple 3 et 6. Voilà. Et donc ici, il n'y a plus le 3, il n'y a plus le 6. Et donc en fait, cet algorithme va nous permettre de. Donc on va faire, pour lister tous les chemins, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dans une liste. Et quand dans cette liste-là, quand donc on aura fait un chemin, il y aura une liste de résultats. Donc on va pouvoir supprimer par exemple 9 et 12 dans la liste des chemins à tester. Donc ça va être donc ici algorithme. Voilà. Donc algorithme liste de chemins. Donc bien entendu, il y a des.
dépendance, un chemin. Donc on va créer une liste de tous les sommets à tester. Et ensuite L2, ça va être la liste des chemins. Donc en fait, par exemple, si c'est 1, 2, eh bien ça veut dire qu'il y a un chemin qui part de 1 et qui va vers 2. Et en fait, tous les dans la liste, les chemins vont par paire. Donc ici, M, hop, et donc voilà, donc 1 dans 2, 3 vers 4, 5 vers 6, 7 vers 8, 9 vers 12 et 10 vers 11. Donc la matrice d'adjacence, c'est-à-dire 6 chemins M. Voilà. Donc, par exemple ici, le chemin 2 va vers le chemin 1 et le chemin 1 va vers le chemin 2. Donc s'il y a un 1, ça veut dire qu'il y a un chemin qui part de du bord à ce troisième vers le quatrième, etc., etc. Là, on va déterminer donc la longueur de chemin, donc ici le nombre d'itérations qu'il y a eu dans la boucle pour faire le chemin. Longueur d'un chemin M9 par exemple. Donc il y a 9 itérations. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9. Longueur 9. Hein, 9, c'est en fait là la profondeur, c'est le chemin de longueur maximale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Version liste. Liste chemin longueur. Donc ici M. Donc il y a 2, 1, 2, 2, 9 et 2. Alors quand il y a 1, c'est-à-dire ici, donc ce chemin-là, 3, 4, donc c'est 1. Longueur minimale. Ici, profondeur, ça va être la longueur du chemin maximale. Donc ici, créer donc la profondeur du labyrinthe. Ici, prof labi M, qu'on aura besoin de ça. Donc de ce programme, donc ici, la longueur tous les chemins dans une matrice d'adjacence. Ok. Donc maintenant. Donc. Hop. Okay. Et donc, prof profondeur labyrinthe pour la liste. Voilà. Profondeur du labyrinthe. Donc maximum de L, ben c'est 9. Maintenant. Complexité, somme des longueurs de chemin. Donc, complexe labi M 18. Donc là, il y a bien une complexité de 18. Alors maintenant, pour une taille 3 x 3, quel est le nombre? Donc, quelle est la profondeur maximale, complexité minimale maximale? Donc, ici, cet algorithme permet de construire l'ensemble des matrices binaires de taille n. Ok, transmat bin 3 par exemple. Et vous voyez, là il y en a donc 2 puissance 3 au carré, et puissance 9, il y en a 512. Et 512 matrices binaires de taille 3. Et donc, maintenant, donc complexité de tous les labyrinthes de taille 3. Donc ici, complexe taille 3. Calcul est assez long. Ici, on a une complexité maximale de 18 et une complexité minimale de 10.